Bonjour, bienvenue sur le plateau d'ABC Doc. Aujourd'hui, nous parlons de neurofibromatose avec le docteur Laurent Salanor, dermatologue qui travaille dans le centre de référence des neurofibromatoses dans le service de dermatologie de l'hôpital Henri Mondor. Et également, donc, Louisa Monteil qui représente l'association des patients, association neurofibromatose et von Recklinghausen, mais aussi qui est une patiente qu'on connaît bien. Donc aujourd'hui, les neurofibromatoses, deux types de neurofibromatose, la neurofibromatose 1 et la neurofibromatose 2. La neurofibromatose 1, elle s'appelle aussi maladie de von Recklinghausen, d'où le nom de l'association. Et nous allons nous cantonner à celle-ci, puisque c'est la neurofibromatose pour les dermatologues. Et donc moi, je suis Pierre Wolkenstein, je coordonne le centre de référence. Laurence, qu'est-ce que c'est que cette neurofibromatose 1? Donc la neurofibromatose 1 est une maladie génétique. Dans la moitié des cas, elle est de transmission familiale, ce qui sous-entend que dans la moitié des cas, il va y avoir l'apparition de la maladie dans la famille sans qu'il n'y ait d'antécédents familiaux. C'est souvent les dermatologues qui vont être en première ligne dans le diagnostic de la maladie, tout simplement parce que cette maladie présente des manifestations que l'on va pouvoir assez facilement repérer sur l'examen, à partir de l'examen de la peau. Alors peut-être Louisa, vous pouvez nous dire quelles sont les manifestations que vous avez ou qui sont les plus communes dans la neurofibromatose, celles qui vous gênent le plus? Ce sont les manifestations cutanées parce qu'en fait, ça fait comme des kystes. Hein, on dit des neurofibromatoses, mais les gens qui sont pas. Moi, je parle de kystes quand on me demande ce que j'ai. Voilà. Donc ce sont des boules sur Des la boules, peau voilà. qui sont la plus gênante. Et d'autres manifestations, Oui, il va y avoir Laurence? les taches caféolées, Oui. qui sont le premier signe de la maladie et qui vont apparaître dès la petite Dès la enfance, naissance. voire même dès la naissance, avec des lésions qui peuvent être congénitales. Et il est clair que tout patient qui présente plus de 5 taches caféolées d'une taille définie selon l'âge du patient, ça va être pour nous un élément important pour suspecter ce diagnostic. Alors c'est important ça, de le mentionner parce qu'une tache caféolée c'est très commun, mais plus de 5 c'est beaucoup plus rare et ça rentre dans le cadre de la neurofibromatose. Alors Laurence, vous pouvez peut-être nous dire quelles sont les principales complications de la neurofibromatose avant qu'on rentre dans le détail des traitements potentiels? Un motif de consultation majeur est celui de la gêne occasionnée par les différentes lésions dermatologiques qui peuvent apparaître sur le Donc ce tégument. sont les kystes dont vous Les, parlez. voilà, voilà. C'est très Et donc, embarrassant au niveau ces esthétique. neurofibromes peuvent être très visibles en regard de la peau et gêner au quotidien le patient de façon importante. Et Alors il y en donc, a des très gros aussi, hein. il peut y en avoir de très volumineux, que l'on appelle neurofibromes plexiformes, anciennement dénommés tumeurs royales. Qui peuvent engendrer des douleurs importantes et puis des difficultés de fonctionnement de la partie du corps qui est touchée. Et donc on va essayer de répondre par différentes stratégies de prise en charge, notamment la chirurgie plastique et reconstructrice pour ces tumeurs volumineuses. Et en cas de lésion de plus petite taille, le laser est vraiment une stratégie intéressante pour répondre à la demande du patient. Alors, ce qui apparaît le plus évident aujourd'hui, maintenant qu'on en a parlé, sont les tumeurs. Donc, ce sont des tumeurs bénignes, hein, qui ne sont pas des cancers, en tout cas dans l'immense majorité des cas. Et donc, vous avez insisté sur le fait que c'était une maladie digénétique. Le gène NF1, celui qui donne la neurofibromatose 1, est un gène suppresseur de tumeurs. Donc, quand il ne fonctionne pas, cela donne des tumeurs supplémentaires. Et bien entendu, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est le fait qu'on risque de transmettre à la descendance, dans une proportion de 50% des cas, la maladie. Alors, en dehors de ces deux complications, le plexiforme, le neurofibrome plexiforme et le neurofibrome cutané, il y a des complications osseuses et des difficultés d'apprentissage. Peut-être qu'on peut parler un tout petit peu des difficultés d'apprentissage. Alors, les difficultés d'apprentissage vont se manifester de façon assez fréquente hein, dans la neurofibromatose 1. On évalue à peu près à 40% le nombre d'enfants qui vont avoir des difficultés associées à des difficultés de concentration, des difficultés scolaires, hein, sans pour autant que dans la majeure partie des cas, il y a un impact quant au quotient intellectuel de l'enfant. Mais Oui, il n'y a pas de retard il n'y a mental, pas de mais retard. c'est un sujet qu'évoquent souvent les parents dans votre Tout à association, fait, Lisa. voilà. Et moi, je l'ai découvert en
ce sont des permanences à l'association. Et tous les parents qui viennent me voir, effectivement, avec les enfants, ils sont inquiets pour le retard scolaire des enfants. Pas d'intelligence, hein. Ce sont souvent des enfants intelligents, oui, mais ils ont un manque d'attention. Et personnellement, je ne m'en étais jamais rendu compte, parce que déjà à mon époque, on ne s'en occupait pas. Mais ça m'a remise en question, parce qu'effectivement, j'ai toujours dit que j'étais étourdie ou des choses comme ça. Et en fin de compte, c'est peut-être ce manque d'attention qui est le plus important. D'où l'importance de le diagnostiquer. Très enfant, de ne pas dire que c'est un enfant qui est pas intelligent, qui est, à la limite, on va vous dire idiot, j'emploie mes mots. Mais ce sont des enfants qui ont besoin d'être bien encadrés. Et d'avoir, d'avoir un soutien quand un soutien scolaire et des parents qui les soutiennent énormément et une équipe médicale qui les soutienne, effectivement. Difficulté de langage aussi. Un soutien orthophonique. Voilà. Donc on a vu que les deux complications qui étaient les plus dans la demande du patient sont la prise en charge des neurofibromes, donc ces kystes que vous avez mentionnés, et aussi des tumeurs plexiformes. Et donc là, il y a deux grandes spécialités qui interviennent, donc il y a les dermatologues avec le laser essentiellement, donc ça Louisa... Moi je suis une spéciale, enfin je défends le laser parce que ça change, quand c'est qu'une forme cutanée, donc il n'y a pas de souci de santé derrière, ça vous permet de revivre, parce que sinon vous êtes vraiment défiguré, les gens l'oublient, actuellement quand on me voit on me dit oh, bah, c'est pas trop grave, mais j'aurais vraiment des kystes énormes, parce que c'est une forme familiale, et je sais comment maman était, ce qui l'a pas empêché de vivre et tout, mais ça vous handicape dans la vie professionnelle, le rapport aux personnes. Il faut toujours expliquer ce que vous avez, que non, ça ne s'enlève pas comme ça, on a à voir une esthéticienne et tout. C'est très lourd et puis... Bon, et ça fait mal aussi, j'oublie de préciser, aux parties sensibles du soutien-gorge, des slips et tout, c'est douloureux. C'est douloureux, on s'accroche facilement, ça peut être douloureux. Alors c'est tellement important le traitement de ces neurofibromes par destruction que l'association a fait le don d'un appareil laser dans le service de dermatologie de l'hôpital Henri Mondor. Et donc moi, en tant que professeur de dermatologie dans ce service, je ne peux encore que vous remercier. Donc la chirurgie plastique aussi, Laurence? Oui, la chirurgie plastique est une spécialité vraiment importante dans le cadre de la prise en charge de patients NF1. NF1, c'est... Atteint de neurofibromatose 1 à plusieurs titres. En premier lieu, on l'a vu tout à l'heure, par la possibilité de réduction de ces tumeurs volumineuses qui peuvent prendre une partie d'un membre. Et donc, on sait maintenant diminuer le volume de ces lésions. Je dirais également qu'on travaille beaucoup avec nos collègues chirurgiens plasticiens également pour essayer d'enlever les neurofibromes qui sont douloureux. Et dans plus de 30% des cas, la chirurgie, quand elle est faisable, est antalgique, c'est-à-dire que ça va calmer la douleur que peut présenter le patient. Alors on a très bien vu là déjà qu'il y a deux spécialités qui interviennent, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, puisque la neurofibromatose implique une prise en charge multidisciplinaire. Donc il y a les plasticiens, les dermatologues, les neurologues, les neuropédiatres pour les difficultés d'apprentissage. Et puis il y a un point qui est important, c'est la génétique, hein, les généticiens, puisque c'est une maladie, comme on l'a dit, qui peut se transmettre à la descendance. Et dans le cadre d'un projet parental, eh bien, on peut adresser le couple à des généticiens de manière à ce que puisse se faire ce projet. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire là-dessus? C'est un motif de consultation assez fréquent et de plus en plus fréquent. Donc de plus en plus, on reçoit des jeunes couples qui ont un projet parental, qui sont désireux d'informations quant aux possibilités d'avoir un enfant dans le contexte de la neurofibromatose 1. Notre rôle premier est de les informer des caractéristiques de transmission de la maladie et des modalités de prise en charge possibles dans le contexte de la neurofibromatose. Donc ce sont des patients, des couples que nous accompagnons. Et une fois que le projet est maturé, que leur souhait se définit, on leur conseille de prendre un rendez-vous avec une généticienne qui, de façon plus spécifique, vont pouvoir mettre en place la stratégie souhaitée par le couple. Alors je crois qu'on peut avoir un peu de recul, puisque je commence à vieillir, c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser à la neurofibromatose 1, le gène était quasiment pas connu, hein. Il a été découvert ou cloné en 91, et aujourd'hui on peut rechercher les mutations et les trouver, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'identification de l'anomalie qui conduit à avoir la maladie, ce qui probablement explique qu'on a de plus en plus de gens qui sont demandeurs et de couples
parce qu'on peut leur offrir un accompagnement avec la découverte de ce gène. Alors peut-être qu'on peut aussi... C'est aussi une qualité de vie supplémentaire, ça, parce que effectivement, ma génération, on ne savait pas. Donc, bon, c'était le choix de chacun, mais c'était quand même difficile. Alors qu'aujourd'hui, les gens ont le choix. Et ça, c'est vraiment comme le laser, au même titre, même plus important, je vais dire. Ça rajoute une qualité de vie aux personnes. Ça, c'est vraiment hyper important. C'est important. Et c'est aussi une demande que j'ai souvent quand je fais l'accueil. Les personnes, aujourd'hui, vous avez le choix. Alors, il y a peut-être qu'on peut parler maintenant de recherche, hein, puisque... la découverte du gène et puis justement ces techniques qui permettent d'identifier les mutations ont vraiment changé notre prise en charge, hein, comme vous l'avez dit, Louisa. Donc deux axes de recherche principaux. Peut-être qu'on peut dire un mot de ce qu'on appelle les gènes modificateurs, très simplement, Laurence. Alors, schématiquement, dans notre expérience clinique, on s'est rendu compte qu'au sein d'une même famille, où différents membres de la famille avaient la neurofibromatose, La présentation clinique de la maladie était vraiment différente. Pour être simple, on ne peut pas prédire en voyant les parents, ou le père ou la mère, ce que sera l'enfant. Absolument. Pourtant, tous les membres de cette famille ont la même mutation. Ce qui tend à dire qu'il y a probablement d'autres mécanismes et d'autres gènes qui vont rentrer en ligne de compte et qui vont participer à la présentation clinique du patient. Donc à son aspect et à ses complications. Donc c'est la raison pour laquelle il y a des grandes campagnes organisées par le centre de référence de prélèvement de patients, avec une description importante de leur aspect, de manière à pouvoir justement découvrir ces gènes modificateurs d'ailleurs, dont nous avons identifié le premier. On a identifié effectivement le premier, qui est le gène du neurofibrome plexiforme, ces volumineuses tumeurs dont on a parlé tout à l'heure. Ou tumeur royale, on vient d'identifier ANRIL, hein, qui est un gène qui interférerait avec le gène NF1 pour produire le neurofibrome plexiforme. Alors bien évidemment, ce qui nous intéresse tous en tant que patients, en tant que professionnels, c'est le traitement. Et donc il y a aussi, quand on découvre le gène, on commence à comprendre comment il fonctionne, et donc on a commencé à essayer de faire des essais thérapeutiques, c'est-à-dire essayer de tester des traitements, notamment dans les grosses tumeurs. Hein, et donc, on est en train de terminer un premier essai, mais il y en aura d'autres qui viennent. Donc, est-ce que, si je vous pose la question de savoir comment vous voyez l'avenir, est-ce que vous le voyez avec des traitements? Peut-être Louisa? Quand je vois comme la maladie est prise en charge, qu'on n'est pas rejeté en tant que malade, déjà, c'est important. Bon, personnellement, dans mon cas, il y a ce fameux laser qui m'a changé la vie. Ça, il n'y a pas de souci. Et je pense, au traitement, personnellement, c'est ce que je me permets de dire quand les patients viennent me voir. Quand on voit comment ça évolue en l'espace de 10 ou 15 ans, c'était très rapide. Hein. Je pense que dans 15 ans, il y aura un traitement. Laurence, qu'est-ce que vous en pensez? En une dizaine d'années, les progrès sont vraiment exponentiels. On bénéficie des avancées de la recherche en général, qu'on peut appliquer vraiment à la neurofibromatose 1. Et il y a tout un panel de molécules qui pourraient vraiment être intéressantes dans cette maladie. Alors on a beaucoup effectivement changé, puisque à l'échelle d'une carrière, on se connaît depuis très longtemps, Louisa. Moi, ça fait à peu près 20 ans que je m'occupe de neurofibromatose. On a vu se transformer le paysage et on voit arriver effectivement les traitements. Pas ceux qu'on attendait, puisque on attendait plutôt un espoir de la thérapie génique, mais ce n'est pas ça qui va révolutionner les choses. Aujourd'hui, on est plutôt sur des produits qui sont dérivés de la recherche sur le cancer. Donc, je dirais que la structuration au sein d'un centre de référence qui a été produite par le plan maladie rare est un plus énorme pour les patients. Ça permet d'avoir une prise en charge multidisciplinaire et de savoir où aller. On a fait des progrès à la fois dans le diagnostic et dans le traitement. Et puis, l'espoir est net. Et puis, je crois qu'autour de cette table, il y a un point important, c'est qu'un centre de référence maladie rare comme celui des neurofibromatoses ne peut vivre qu'avec les patients, avec les associations de patients. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot. Comment vous voyez votre... C'est vrai, mais personnellement, moi, ce que je regrette justement, c'est que ce soit que les associations qui permettent de faire les avancées, qui donnent les fonds, alors que ce sera l'État. Je pense que s'il y avait plus... L'État nous donne de l'argent quand même. Oui, mais pas suffisamment. Non, ce qui est clair, c'est que le plan maladie rare a changé la donne. C'est vrai, mais...
Mais encore plus, c'est ça. Voilà, encore. Voilà, c'est ce que je regrette un petit peu. Et moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que vous avez un très bon système de communication, le plan des maladies rares. Ça permet d'informer les gens. Parce qu'il y a encore plein de personnes qui viennent me voir et qui ne savent pas. Donc, si on n'avait pas toutes les fiches que vous nous avez faites, qui n'auraient pas ce... On peut tout de suite diriger les patients chez vous. Ou même quand j'en parle dans la rue, quand je vais voir un gynéco, quand c'est un nouveau gynéco et tout, j'en parle, je donne les fiches et ça commence à être connu. Ou des personnes que je connais qui travaillent dans la petite enfance, je peux leur donner. Si on n'avait pas toutes ces fiches de communication, c'est surtout ça qui apporte. Et les gens restent plus dans le désespoir de se dire « je ne sais pas ce que j'ai » ou quoi que ce soit. Donc, ça va beaucoup plus vite. Qu'il y a 20 ans, il fallait vraiment galérer pour vous trouver, ou savoir où aller, savoir... et rencontrer une équipe qui est quand même de médecins. Ben merci, Louisa. Non, mais c'est... Donc, nous allons conclure. Merci, vrai. Louisa. Merci, Laurence. Donc, à très bientôt. Et merci de nous avoir suivis sur le plateau d'ABC Doc.